Et monsieur, madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, mesdames et messieurs les représentants des missions diplomatiques et des organismes internationaux, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, monsieur le président de la conférence des chefs des institutions universitaires du Cameroun, messieurs les chefs des institutions universitaires publiques, mesdames et messieurs les chefs des instituts privés d'enseignement supérieur, monsieur l'inspecteur général des affaires académiques, mesdames et messieurs les hauts responsables des ministères, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, honorables invités, chers étudiants, mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de vous accueillir dans cette salle ultra moderne et futuriste du palais polyvalent des sports et aéronautiques à l'occasion de la 12e édition du Salon international de l'étudiant baptisé Campus 2009. Votre présence massive et qualitative à cette rencontre témoigne, s'il en était encore besoin, de l'intérêt que vous attachez à la grande question actuellement en cours dans l'enseignement supérieur, mutation prescrite par le chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, est mise en œuvre par le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Philémon Yan. Il s'agit, comme vous le savez, de la nouvelle gouvernance universitaire, dont l'ambition est d'aboutir à un système universitaire résolument tourné vers la recherche des solutions aux problèmes quotidiens du Camerounais, et la promotion du développement durable de notre pays à travers la formation d'une jeunesse apte à être employée, à s'employer et à créer des emplois. Notre pays entend mieux que par le passé faire de l'enseignement supérieur la vraie rampe de lancement de son développement durable. L'Université camerounaise, bien qu'ayant permis depuis 50 ans, à travers ses filières non sélectives, une large intégration sociale de nos jeunes concitoyens, issus de toutes les strates sociales, est aujourd'hui à la croisée des chemins et a désormais besoin du monde socio-professionnel au sens large. Le choix du thème général de notre salon, choisir un métier, l'exigence d'une orientation académique professionnelle réussie, se situe en droite ligne de cette ambition. Ce thème indique la suffisance qui a une forte attente sociale et économique par rapport à l'université et que cette dernière doit impérativement, plus que par le passé, se mobiliser pour l'emploi de ses diplômés, sans évidemment perdre de vue ses autres missions fondamentales, à savoir l'enseignement, la recherche et l'appui au développement.